Ce mardi 14 mars, Cyril Hanouna venait à peine de prendre l'antenne sur C8 avec son émission Touche pas à mon poste qu'il a demandé à Mathieu Delormeau de quitter le plateau car il n'avait pas de micro. Quest ce que tu fais toi? T'es pas équipé, tu sors. Tu vas t'équiper et tu reviens, lui a-t-il indiqué, avant que le chroniqueur de 49 ans ne se lève de son siège pour obéir à l'animateur. Mais ce dernier avait également une autre remarque à lui faire. Et tu m'enlèves cette vilaine veste 1, lui a demandé le papa de Lino, de quoi surprendre le présentateur de TPMP People. Frère, je te dis la vérité, je t'aille toujours tout dit, là ça va pas du tout. A ajouté Baba. Mathieu Delormeau s'est alors approché de lui pour parler dans son micro. Je l'ai vraiment mise pour te faire plaisir, parce que si est-il joli, c'est-il justifié. Un avis décidément pas partagé par Cyril Hanouna, qui a alors insinué, avec humour, qu'il portait tenue parfaite pour aller descendre les poubelles, mais pas pour l'antenne. Ça va pas du tout, vas-y, va te changer. Fais-toi beau et reviens dans une heure, a-t-il conclu, avant de laisser son chroniqueur rejoindre les coulisses pour se préparer. Mais alors qu'il s'était ensuite décidé à commencer l'émission, il a entendu Mathieu Delormeau depuis les coulisses, de quoi l'agacer. Et au Delormeau, tagu, tu la fermes bordel. Il est insupportable, sans déconner, s'est-il exclamé, avec, comme d'habitude, beaucoup de second degré. Le beau blond est alors réapparu à l'antenne avant de recevoir une dernière remontrance de la part de Baba. Tu vois pas qu'on t'entend? Tu t'assois, je n'ai rien à f, ça va pas du tout hein, lui a expliqué Cyril Hanouna, en ne parlant non plus de sa veste, mais de son attitude. A noter que Mathieu Delormeau a repris place sur le plateau dans la même tenue. Une séquence qui a suivi des félicitations de Cyril Hanouna à son chroniqueur, pour le record d'audience décroché par TPMP People samedi dernier.